Secret Story 11, Laura et Alain, leur week-end en amoureux à Madrid. Depuis la fin de Secret Story 11 sur NT1, Laura et Alain ne se quittent plus. En couple depuis leur passage dans la maison des secrets, les amoureux gardent contact entre la France et l'Espagne. Et ce week-end, la finaliste de l'aventure a posé ses valises à Madrid pour un week-end romantique avec son chéri. Non-stop reality vous en dit plus, photo à l'appui. Le 1er septembre dernier, Christophe Beaugrand donnait le coup d'envoi de la 11e saison de Secret Story sur TF1. L'occasion pour l'animateur de dévoiler la liste officielle des secrets, mais aussi de présenter les candidats au casting. Ainsi, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Camilla, Noré, Barbara, Jordan ou encore de Brian. Lors du lancement de l'émission, trois candidats n'ont pas eu la chance d'intégrer la maison des secrets. Si Marie s'est sacrifiée pour permettre à sa meilleure amie Laura d'intégrer le jeu, Noandi et Ellie n'ont pas été choisies par Tania pour assurer la première mission exceptionnelle de la saison. C'est Alain qui s'est attiré les faveurs de la doyenne. Et après avoir réussi à faire croire à ses camarades qu'il était épris de la panthère, le jeune homme s'est rapproché de Laura lors d'une mission faux exemple. Plus tard dans le jeu, ils se sont mis en couple. Et lors de la finale, la jeune femme a pu retrouver son chéri et poursuivre leur relation à l'extérieur de la villa. Complice et amoureux à Madrid lors d'une interview exclusive avec Non-Stop Reality, Laura a nous confié qu'elle allait s'installer avec Alain en Espagne. Et après avoir affiché leur amour sur les réseaux sociaux, les deux tourtereaux ont décidé de passer un week-end en amoureux à Madrid. Et ces derniers ont posté sur Instagram et Snapchat les photos de leur séjour à deux. L'occasion de les voir très complices à la plage ou encore lors d'une journée au spa. Laura en a profité pour dévoiler ses courbes parfaites dans un maillot de bain à deux pièces. Non-Stop Reality vous propose de voir les clichés en question ci-dessous.